Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager pourquoi c'est important pour le zèbre, pour le surdoué, pour le HP, haut potentiel, hein, pas hôpital psychiatrique, hein, comme j'entends parfois, donc HP haut potentiel et PN, pas police nationale, mais perversion narcissique. Hein. Donc voilà, bon, je referme la parenthèse. Donc je vous rappelle que tout cela, eh bien, tous ces termes sont des termes synonymes. Hein. Alors pourquoi c'est important, donc, pour ces personnes-là, de bien comprendre leur fonctionnement, de bien comprendre leur façon d'être au monde par rapport à la norme, par rapport à ce que la société nous fait, entre guillemets, jouer. Hein. Mais auparavant, je voudrais m'excuser auprès des personnes qui ont essayé de me joindre et qui n'ont pas pu parce qu'il y avait un dysfonctionnement sur mon site. Les liens également que je vous mettais en dessous n'étaient pas bons. Donc voilà, donc j'ai tout rectifié. Normalement, tout est rentré dans l'ordre, tout est opérationnel. Si ça n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, hein, parce que bien sûr, je ne m'en aperçois pas tout de suite, hein, je ne m'envoie pas des mails tous les 4 matins, donc surtout, dans ces cas-là, n'hésitez pas. Hein. Ce que je voulais également dire, c'est qu'il y a des personnes qui me reprochent, bon, de façon plutôt gentille, hein, j'imagine, de ne pas faire assez de vidéos. Alors c'est vrai que j'en fais somme toute assez peu, hein, je sais qu'il y a des personnes qui en font quasiment tous les jours. C'est vrai que j'ai peu de temps, déjà, je travaille beaucoup, et c'est vrai que pour moi, c'est pas si facile que ça de faire des vidéos. Hein, j'essaye d'avoir du contenu, de vous partager des choses de mon expérience, de mettre des mots sur des choses qui, parfois, sont difficiles à mettre en mots. Hein. C'est pas facile. J'essaye d'être concis, j'essaye d'être simple et d'expliquer, oui, simplement des choses parfois assez complexes. Donc c'est pas si simple. Et puis c'est vrai que je ne lis pas de notes et que je n'aime pas non plus couper les vidéos. Vous savez, parfois quand on bafouille trop, quand on perd le fil, quand on est allé trop loin, bon, on peut être tenté de couper et de reprendre. Moi, j'essaye vraiment de ne pas le faire, même si parfois ça m'arrive, hein, mais vraiment j'évite, parce que je n'aime pas ça du tout. Alors, c'est pas par un souci de perfection, hein, du tout, mais parce que pour moi, le rythme, en fait, le rythme, le tempo, cette espèce de souffle, pour moi, c'est très très important, c'est fondamental. Hein. De la même façon que des personnes me disent que je ne suis pas assez fluide, que je cherche mes mots. Oui, c'est vrai, je cherche mes mots parce que pour moi, j'ai besoin, le mot en lui ne suffit pas. J'ai besoin effectivement qu'il résonne et qu'il touche à un autre niveau. Pour moi, c'est vraiment fondamental. Hein. Donc voilà. Alors pourquoi c'est important donc pour le zèbre de bien comprendre la façon dont il est au monde, sa réalité et comment fonctionne la société, ben c'est important parce que sinon c'est extrêmement souffrant, c'est extrêmement consommateur d'énergie, et puis il y a des choses dans lesquelles qu'il n'a pas forcément compris parce qu'il ne comprend pas forcément qu'il est différent, enfin il voit bien qu'il y a quelque chose qui est différent, mais il ne sait pas forcément nommer cette différence, et du coup, eh bien, encore une fois, ça peut être souffrant, il peut retourner soit la chose contre lui en se culpabilisant énormément, soit contre l'autre en étant dans la colère contre l'autre, hein, et parfois même c'est un va-et-vient, hein, les deux vont de pair. Hein. Donc voilà, et ce qui peut aussi parfois le rendre extrêmement naïf, voilà, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas bien positionnées. Alors, en fait, le truc, c'est que le zèbre, lui, dans sa façon d'être au monde, dans cette hypersensibilité, dans sa capacité d'analyse, dans son état aussi de conscience, hein, qui est très aigu, eh bien, il va dans une réalité très, très, très existentielle, très reliée, hein, très, très large et très reliée, avec pour lui une envie de progresser, de comprendre, de tirer par le haut. Il a une soif de vérité, une soif d'absolu, une quête un petit peu comme ça, très, très forte. Sauf que
la société, elle, elle ne fonctionne pas sur ce même mode. Hein. Et puis, le surdoué aussi est dans quelque chose de très relié. Hein. La société, elle fonctionne sur un mode déjà complètement morcelé, fragmenté. Hein. On perçoit un peu la réalité un petit peu. J'ai un client qui dit ça, je trouve que l'image est assez chouette, par le trou du sopalin. Hein. Et la vérité, quelque part, on s'en moque. Hein. La société est basée sur plus le pouvoir et puis être dans une forme d'ego et de confort. Hein. Finalement, ce qui est surtout important, c'est d'être dans cette espèce de rôle social et puis que l'ego ne soit pas trop... préserver l'ego, hein, préserver l'ego. Et puis s'il y a quelque chose qui gêne, eh bien on met un petit peu ça sous le tapis. Et puis voilà, on peut être un peu tranquille, hein. Et puis avec une pas trop se poser de questions et pas trop gratter, en fait, hein. c'est ça le truc, hein. Et bien évidemment, ces deux mondes, quand ils vont rentrer en interaction, ça va frotter, hein. et le Zem n'a pas forcément compris certaines choses. Donc lui, il va être tenté de réunir, de lier, de relier des choses, et généralement, il va y arriver, hein, mais parfois, à quel prix ? Et parfois, il ne perçoit pas à quel point il y a des choses à la base qui ne sont pas bien positionnées, et aussi des choses où il y a un biais, en fait, hein. Alors, un exemple pour illustrer un petit peu ce que je vous dis. Quand j'étais, alors c'est un exemple de il y a longtemps, mais voilà, je trouve que c'est un petit peu cette illusion dans lequel le zèbre peut être et qui peut vraiment le rendre confus, lui embrouiller la tête, avoir cette impression de... Enfin, qui fausse les choses, en fait. Hein. C'est ça, le truc. C'est qu'il y a des choses qui faussent et le zèbre, il va passer un temps fou à se dire, mais il y a un truc qui va pas et pas vraiment savoir quoi. Hein. Donc, quand j'étais toute petite, hein, donc il y a fort longtemps, il y avait... donc, à l'époque, on avait ce qu'on appelait le poste de télévision. Hein. On avait un poste de télévision. Il y avait une seule chaîne en noir et blanc, et il y avait à l'époque un homme politique que les gens de mon âge vont forcément se rappellent forcément, hein, qui s'appelait Georges Marchais, hein. C'est alors pour les plus jeunes ou les moins vieux, hein, c'était le Mélenchon de l'époque, hein, le showman, voilà, qui faisait son show, hein, vraiment il faisait son show. Et alors il avait toujours ce mot, hein, qui était c'est un scandale. Donc on l'entendait toujours dire, mais c'est un scandale, c'est un scandale, et voilà. Et moi j'étais toute petite et j'entendais ça et j'entendais hurler là dans les débats politiques, et je dis à ma mère, mais pourquoi il est toujours en colère, pourquoi il crie tout le temps? Et ma mère m'explique que c'est parce que ils ne sont pas d'accord. Et moi, je dis, oui, mais voilà, ils sont jamais d'accord, en fait, parce que c'est du récurrent, hein, c'est toujours, donc ils sont jamais d'accord. Et ma mère m'explique, en gros, avec des mots adaptés à mon âge, que y a la droite, il y a la gauche, et puis que, par définition, eh bien, on ne peut pas être d'accord et on ne peut pas trouver de solution, voilà. Et alors ça, c'est un truc qui m'a vraiment fortement interpellée, mais qui m'a vraiment posé problème, parce que j'avais pas vu tout de suite le piège. Et dans ma tête, je me disais, mais pendant des années, hein, je me disais, mais comment c'est possible de ne pas trouver une solution quand on cherche, hein, ça me met dans un état de... C'est très bizarre, hein. Donc comment ne pas trouver une solution quand on cherche, ça me semblait complètement incompréhensible. Ce que j'ai compris plus tard, évidemment, c'est que là-dessous, ça n'était pas qu'on cherchait une solution, mais ce qu'on cherchait surtout, c'était à garder le pouvoir. Hein. C'est tout bête, mais c'est ça qu'on nous raconte. Hein. On nous fait croire, entre guillemets, qu'on cherche des solutions, alors qu'en fait, c'est pas ça la réalité. Hein. Bon. Donc c'est un exemple, je trouve, qui illustre bien, effectivement, ce qui parfois se joue de façon pernicieuse,
et que le zèbre, lui, ben, ne va pas forcément percevoir parce que il n'imagine même pas ça, en fait. Donc voilà. Alors, donc c'est très important. C'est très important. Et moi, dans mes accompagnements, je fais beaucoup ça. Hein, on redéfinit justement des espaces parce que vraiment, le zèbre va avoir l'impression de ne pas avoir sa place. Hein. Donc c'est comment on peut redéfinir des espaces, comment parfois on peut aussi donner de la nuance aux mots. Hein. C'est tout bête, mais les mots sont extrêmement piégeants, puisque évidemment, ils sont révélateurs eh bien, d'un système, hein, d'une société. Hein. Donc comment redonner de la nuance aux mots, comment les redéfinir, comment leur redonner du sens, eh bien, tout ça, ça aide à avoir plus clair, ça aide à voir ce qui se joue et à redonner de l'espace, hein, en fait, c'est ça. Et à voir les choses plus clairement. Parce que le zèbre, en plus, comme lui, c'est un hyper empathique, hein, donc il va prendre plein de choses et il va se laisser, entre guillemets, pollué par tout ça et ça va l'embrouiller, il va passer une énergie folle à essayer de voir, essayer de débrouiller des choses qui tournent et parce que tout ce que je vous dis là évidemment c'est piégeant parce que les mots, tous les messages en fait, eh bien on en reçoit plein tout le temps, hein, on est bombardé sans cesse de ces messages, donc ce qui est très important et très aidant c'est de voir vraiment plus clairement qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qu'on nous demande, comment fonctionne la société, hein, sur un mode très binaire, alors qu'effectivement le zèbre, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui fonctionne en trois dimensions, donc mettre du trois dimensions en deux dimensions, ça marche pas bien. Donc voilà, donc c'est tout ça qu'il faut vraiment remettre de façon plus carrée pour que ce soit plus aidant et que le zèbre puisse vraiment se sentir beaucoup plus en alignement, voit beaucoup plus clairement les choses et du coup soit beaucoup plus beaucoup plus aligné et puisse du coup avoir l'espace nécessaire pour poser ce qu'il a à poser, hein. Donc voilà. Donc c'est ça que je voulais vous partager sur cette vidéo. Donc n'hésitez pas à liker si vous l'avez aimée, si vous pensez qu'elle vous aide. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la commenter et bien sûr abonnez-vous à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.